Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le serveur survie qui sortira sur mc.pvp-warcraft.net. Il sort le 11 février, donc c'est aujourd'hui. La vidéo sortira aujourd'hui. Donc on est très content de sortir un serveur survie, un serveur en version 1.18 et avec les versions crack évidemment acceptées. C'est un bon compromis avec le PVP cheat et un survie, c'est deux mondes différents. Et on est très content. Voilà, je me dis, les joueurs après leur cours, le taf, ils veulent se poser dans une map full custom, faire leur survie avec leurs potes. Je pense que c'est super cool. Donc tu vas arriver ici, tu vas arriver sur cette affiche, tu vas retrouver le menu, le wiki et les warps. Donc quand tu vas cliquer sur le menu, tu vas voir le menu principal. C'est très simple à comprendre, ça reste un serveur survie. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment un serveur pour se détendre, découvrir Minecraft en 1.18. Donc ici tu auras les grades, le site, le Discord, le Twitter et tes infos à toi. Tu as les jobs, donc dans les jobs nous avons mis 4 jobs. Voilà, on ne voulait pas en sortir comme dans la plupart des serveurs des dizaines et des dizaines et puis qu'il n'y a pas de suivi derrière. Là c'est des jobs où on a travaillé dessus, on a essayé de faire quelque chose pour que les jobs en fait vous fassent un peu bouger tout le temps dans la map. Il y a le bûcheron, le mineur, l'explorateur et l'enchanteur. Il y a également un classement de jobs. Bref, ça je te laisse découvrir tout ça en jeu. Après tu vas retrouver le shop. Donc évidemment le shop, hein, tu as l'habitude, hein, tu as les minerais, tu as les spawners, tu as un peu les armures, etc. Voilà, tu auras aussi un peu de musique si tu veux mettre de l'ambiance dans ta petite cabane de la forêt. Tu as l'hôtel des ventes, donc l'hôtel des ventes c'est où est-ce que les joueurs vont pouvoir revendre leurs items qu'ils vont trouver dans leur survie ou bien faire des échanges avec vous. Bref, c'est quelque chose qui est aussi sympa. Ensuite tu as les quêtes, donc les quêtes là il y en a vraiment pas mal. Alors on a hésité avec Tempête de pas tout mettre parce que bon voilà, on va pas se mentir, c'est beaucoup de quêtes qui sont déjà travaillées en amont. En fait on a quand même tout mis, voilà on a quand même tout mis parce qu'on s'est dit il y en a tellement que je pense que les joueurs, pour gagner de l'argent facilement, etc., ils vont vouloir tout le temps faire des quêtes tous les jours. Donc on a tout mis parce que pour finir toutes les quêtes, je pense qu'il y a un sacré bout de temps. Franchement, vous avez le temps. Et ils sont très intéressantes pour avoir fait un petit peu de la survie sur mon double compte. Mais c'est pas mal, voilà, je vous le dis. Il y a beaucoup de quêtes, mais vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est très important. Et là ici tu as ta récompense quotidienne, donc tous les jours tu viens dans le serveur, tu as une récompense, donc ça c'est super génial. Voilà, tu peux avoir du stuff, de l'argent, tu peux avoir des items de la 1.18, tu peux avoir des comment on appelle ça, des totems pour gagner, pour régène de la vie, tu peux gagner plein de trucs. Bref, c'est des récompenses quotidiennes en fait, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et puis tous les mois ils seront changés, ils seront travaillés. Il faut savoir qu'en fait la map survie c'est une map 10 000 par 10 000 qui est full custom. Donc c'est à dire qu'en fait c'est une map qui est pas normale en fait entre guillemets. Vous allez retrouver plus de 80 biomes custom, donc ça c'est vraiment exceptionnel, c'est magnifique. Je vous conseille énormément de venir découvrir cette énorme map. Donc elle fait 10 000 par 10 000. Comment faire pour commencer à jouer en fait en survie pour pas détruire vos claims et tout? Alors je vais pas vous mentir, EK Survie est déjà sorti sur une version précédente en bêta. Et on avait vu en fait qu'en mettant un plugin de land, un plugin un peu plus compliqué à comprendre, les gens étaient vite perdus. Donc on a décidé de mettre le plugin de faction. Voilà, tout simplement, c'est un plugin de faction. Donc il n'y a pas de PVP pour l'instant, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de pillage, il n'y aura jamais de pillage en survie, évidemment, vous doutez je pense. Mais en fait le système de faction c'est juste pour garder le principe de claim, le principe d'inviter, mettre en ennemi des gens, mettre des admins, des modos dans les claims. Donc c'est vraiment pour garder ce système là, très simple en fait à comprendre. Donc on s'est dit bah, on va mettre le plugin faction. Donc voilà, c'est très simple, pour venir vous faites fcreate, le nom de votre faction du coup pour le coup, et vous faites slash f claim, et là une fois que vous avez claim la zone, donc elle est protégée contre tout ce qui est explosion, contre le pillage des autres équipes, des autres membres, etc. Donc ça c'est cool, voilà, c'est très simple à comprendre, et puis vous avez l'habitude d'utiliser ce plugin faction. Donc vous allez pouvoir également retrouver des box, donc en fait dans les box vous allez retrouver des choses qui sont assez cheatées. Donc il y a la caisse commune, donc la caisse commune c'est quand tu vas aller voter sur le serveur, tu vas pouvoir gagner de l'émeraude, des armures en diamant, de l'XP, une canne à pêche pour aller pêcher. Tu vas pouvoir également, si tu veux faire un don pour le serveur, acheter la clé rare. Donc là c'est la clé rare, c'est full spawner et mob, donc pour mettre ça dans ta petite survie. Et ensuite tu as la clé épique où tu vas retrouver bah, un peu plus d'autres choses, donc tête d'Under Dragon. Tu vas pouvoir avoir de l'émeraude, 20 émeraudes, un totem. Tu vas pouvoir également avoir ça, des élytras, ça c'est cool aussi.
Bref, cette caisse-là, c'est ma préférée. Voilà, elle est super intéressante. Et avec les émeraudes, parce que vous avez vu qu'il y avait des émeraudes à gagner, vous êtes en train de vous dire, mais avec les émeraudes, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Mais tout est pensé. Regardez les PNJ. Échange avec les PNJ, c'est que des émeraudes. Vous allez pouvoir avoir de l'immobilier. De l'immobilier. Du mobilier, pardon. Donc des frigos, des chaises, des tables, des brouettes, des tables de billard. Avec Roberto, vous allez pouvoir avoir une pioche hammer en 3x3. Vous allez pouvoir avoir des items cog pour réparer vos items. Donc que ça soit épée, que ça soit pioche, pelle, tout ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir également avoir des chapeaux custom. Donc couronne, chapeau pharaon et là, cosmonaute. Évidemment, selon les mises à jour, on mettra en place d'autres chapeaux. Mais je trouve que c'est pas mal. Donc moi, j'ai le cosmonaute actuellement sur la petite tête. Donc avec le grade VIP, V+ et le grade MVP, vous allez pouvoir accéder également à des couleurs comme j'ai autour de moi en fait. Donc je pense que c'est une couleur VIP, V+ c'est 2 et le MVP c'est 3. Donc c'est le blanc, le rose, le violet. Bref, c'est des couleurs qui sont déjà proposées. Donc vous avez la commande slash igloo et vous allez pouvoir vous promener full custom. En plus de ça, si vous avez un petit chapeau, vous allez péter le swag dans le serveur survie. Et voilà, je pense que c'est très stylé en vrai. Regardez comment je suis beau gosse. Bah, je pense avoir fait le tour du serveur. Ça reste un serveur survie, ça reste un serveur très simple à comprendre. Voilà, ça reste le même principe que nous avons l'habitude de faire sur PvP Warcraft. Hein. Il y a une box pour voter. Quand tu votes, tu gagnes une clé. Il y a les jobs, il y a les quêtes, il y a les classements Under Dragon également. C'est vrai que je les ai pas présentés. Mais en fait, si vous préférez, il y a les classements Under Dragon. C'est-à-dire que quand vous allez tuer un Under Dragon, vous allez accumuler des couronnes. Et tous les mois, en fait, il y a des récompenses à gagner avec les Under Dragons tués. Donc, ils spawnent toutes les 2 heures dans le monde Nether. Voilà, pour votre petite information. Et il y a également un classement monnaie, hein, celui qui sera le plus riche. Donc, ça sera les deux classements sur le survie, le plus d'argent et le classement d'Under Dragon. Voilà, pour l'instant. On vous a présenté le shop, les RTP, une map 10 000 par 10 000 custom. On recrute des supports. Donc, si tu veux faire partie de l'aventure, c'est maintenant sur le Discord PvP Warcraft. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'attends sur le serveur pour venir t'amuser et pourquoi pas faire une survie ensemble. Bye bye tout le monde, c'était Kev.